La catégorie, elle est bonne. Je vois pas de quoi tu parles, Scan. C'est, je sais pas, je vois, c'est Jedi Survivor. Non, je vois. Je vois absolument pas de quoi tu parles. Et. Non. Non, j'avoue le. Salut Mando! Ah, Mando! Mando le régulier. Pendant les vacances, il est là. Attends. On va descendre un peu encore. Et what's up, mon G? Ça, c'est mon CED, ça. Ça, c'est mon CED. C'est quoi ce Scan, là, que t'as devant ton pseudo, là? Pas mal le nouveau Jedi Knight. C'est quoi ce truc 2023, genre? C'est mon nom de famille, le régulier. Ah! Ben voilà pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui dans Jedi Survivor? Quel point on va avancer ou reculer, quoi? Ah, le badge de rétrospective, d'accord. Bon, ça fait. Pour toi qui sais tout, Scan, vu que t'as la mémoire, tu vois, d'un droïde. Ça fait depuis combien de temps que j'ai pas joué là? Parce que là, va falloir que je m'y refasse encore de nouveau. Hein. Est-ce que je vais devoir mettre les petits trous? Que là. Trois semaines, ouais, trois semaines. Et une journée. Ah oui, c'est vrai, il est fort. Oui, parce qu'on est samedi, on n'est pas vendredi. C'est vrai que Wellstone est dans mon top 5. De mes plus grands fans, c'est plutôt toi qui es. Enfin, elle est dans ton top 5? Ouais, de tes plus grands fans, ouais, c'est ça. Bon, j'en doute pas, oui. Ah ben, j'en doute pas, et puis ce serait limite normal. Tu aimes Star Wars, elle aime Star Wars, vu comment elle partage sa passion. Je trouve ça même normal. Non, mais elle est dans vos top 5. Bah oui, bah. Ah, mais selon la rétrospective, j'ai cru que tu me disais oui, moi je l'aime bien et tout. Ben, ah, ok. D'accord. Mais c'est. Attends, est-ce que je devais aller là? Je pense que oui. Look at those. Ah non, moi je l'aime pas. Ah, d'accord, donc c'est elle qui est une de tes plus grandes. Ok, d'accord, je viens de comprendre. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est de là d'où je viens, non? Parce que là, si je vais là, je vais glisser, non? Je sais même pas ce qu'il y a, là. Je sais même pas où je suis. Je sais même pas. On va encore me gueuler dessus parce que. Ah bah tiens. Maybe we should take up prospecting, huh, BD? Bah tiens, j'ai bien fait, non? On va encore me gueuler dessus parce que je me souviens plus de rien. J'y peux rien, moi aussi. Il y a 7 dans mon top aussi. Ah, 7 le G. Et parisien ou rien, bah oui, parisien aussi, le G. Moi, je sais plus, mais je crois que toi, ça fait pas assez longtemps pour que t'aies été dans mon, tu sais, dans les top 5, là. Je sais qu'il y a Ced. Il doit y avoir parisien. Après, je sais plus. Ah oui, c'est vrai qu'il y a toi, là. Mais oui, ça y est, je me souviens. On arrivait de là. Et voilà. Bon, par contre, je dois aller où en fait? Ok, je dois aller à gauche. Mais là, de ce que je vois, il y a un truc bloqué là. Ouais, chemin bloqué. Donc en fait, t'es en train de me dire. Attends, t'es en train de me dire qu'on va devoir faire. Oui, c'est génial. Attends, mais. Mais j'ai déjà été là. Donc en fait, c'est la cantina ça. Donc en fait, je peux me téléporter. En vrai, je peux me téléporter, non? Si as-tu besoin de te remémorer ce que tu as fait, il y a l'onglet Codex Histoire dans les menus. Ah, c'est bien ça. On va juste aller faire un tour juste pour voir là. Données. Histoire. Ah, mais c'est trié comment ce machin? C'est ça, non? Codex. Données, quête. Ah, si on ment aussi, quête. Chapitre 2. Ah, pas mal ça.
qu'elle découvre conservé dans une cuve à bactéries. Ah oui, l'homme qui... Oui, l'homme qui a qu'un bras, oui, de la Haute République. Oui, j'avais fini par une espèce de théorie. J'ai plus touché au jeu depuis 2-3 mois, non. Ça fait si longtemps? Tu veux dire depuis le début où j'ai commencé le jeu? C'est à peu près ça, hein. Bon, en tout cas, il y a cette personne-là, je crois qu'il fallait lui parler. You're new here, yeah? That's yeah. Right. Got a place you should check out then. There's this guy, a real fishing enthusiast, putting around in a skiff at the base of the mountain. Ouais, non. He's near an imperial camp. Mind seeing if he's all right? Ça ressemble à une quête secondaire, ça, hein. Much appreciated. Quête secondaire? Rumeur découverte. Ouais, bon, ils appellent pas ça comme ça, mais on sait tout ce que ça veut dire, hein. Oui, bien sûr, on sait tout ce que ça veut dire. Oui, ben, on le checkera si on arrive par là, quoi. Mais là, le truc, c'est que normalement, je peux pas, genre, me téléporter, non? Tu sais, genre, non. Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas... Je peux vraiment pas? Ah, point de méditation. Je peux mettre toutes les balises. Non, mais non. Non, mais quoi? Oui, non, mais j'ai mis une balise, mais je veux pas mettre la balise, moi. Et là, il me dit pas de... Je peux pas. L'homme qui lâche le N-word, ah bon? Oui, il a dit. Ok, mais l'acteur a très très mal... Ah, d'accord. J'ai pas... Louche, cette histoire. Ok, non, j'ai pas... J'ai même pas capté. Non, mais en vrai, je peux pas me téléporter au point de... On est d'accord, hein, je veux juste savoir, parce que... Tu te souviens pas du clip que j'ai fait? Ah, mais oui! Mais non, le mec, mais j'ai cru que là, dans la conversation, mais le mec, oui, de la dernière fois, oui, bien sûr, je m'en souviens. Oui, en plein boss fight, mais carrément. Mais bien sûr que je m'en souviens de ça. Ça c'était non. J'ai cru que là dans la conversation il l'avait placé, mais non. Bon. Bah selon moi c'est là. Hein. Par contre attends que je me croûte pas là. C'est quoi déjà la touche? Bon on va sauter dans le vide, on verra bien. Non. Est-ce que mais il y avait pas un truc tout à l'heure là? Il n'y avait pas un machin là qui m'indiquait que je pouvais m'accrocher ou je sais pas quoi. Bah, comment je fais pour ranger mon... Comment je fais pour ranger mon arme? Je crois qu'il y avait un moyen d'arranger l'arme. Attends, quoi? Oh, mais d'accord, mais what the f... Je viens de comprendre qu'en fait... Oh, j'avais pas compris ça. Bon, je viens de comprendre un truc. C'est moi où il a dit le mot interdit, ça. Ce sont tes mots. Oui, je me souviens. Flèche droite pour... Ah oui, pour ranger l'arme. Ah ouais. Ah et gauche, c'est pour le... Ah oui, parce que tu... Oui, parce que tu changes en fonction de... Ouais, ok, c'est bon, merci. Merci. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On se suicide parce que... Bah moi, j'aurais bien sauté là, mais... Ok, donc c'est... Attends, c'est... Mais je sais pas, j'ai vu un truc tout à l'heure, moi. Il m'a semblé avoir vu quelque chose. Je pouvais m'accrocher. Et là, maintenant, je le vois plus. C'est quand même bizarre, non? Bon, non. Il y a un onglet capacité pour regarder la mobilité. Oui, mais même, mais ça... Non, mais je me souvenais, mais en fait, ce que je faisais, c'est qu'à chaque fois, je le faisais en... Tu sais, en parant, comme ça. Et donc je me disais mais je peux pas le lancer deux fois le truc, enfin c'est bizarre. Donc bon. Mais là moi la question que je me pose, c'est il y a ces machins là-haut là. Et normalement il y avait un truc, une interaction, je peux bien faire quelque chose avec. Ou c'est moi qui ai la berlue là. Je suis quand même pas le neuneu là.
Ah, attends, si je veux me téléporter, je pense que je sais comment faire. En fait, il faut que j'aille là. C'est là où je vais pouvoir me téléporter. Non. Mais, non. Se reposer. Et là, je dois pouvoir, non? Se reposer, compétences, quitter, ouvrir. Non, mais sérieux, je peux même pas? Mais, on peut pas se téléporter de point de méditation à point de méditation? On m'aurait menti? Trop deg, le compte Twitter de Star Wars avait fait un pour gagner l'édition collector de Survivor. Mais la France était pas éligible. Oh bah d'accord. Ça c'est un peu débile. Bon bah on est bloqué hein. Bah à part s'il faut carrément tout revenir en arrière, mais quand même, dites-moi que non là quand même. Attends. Que là, zone inconnue. Attends. Zone inconnue. Bah, ça, c'est une zone inconnue alors. Ok, donc on va dans la zone inconnue alors. Ok, allons dans la zone inconnue. Allons-y. Il y a des trucs, je sais pas quoi ça sert, mais. Ok, bon. Allons-y, hein. Tantalor is real. J'aurais carrément pu gagner et de loin. Pourquoi c'était une sorte de concours? Wow. Bon, pas dommage. Et là, Ok, bon. Bon, on va continuer. Hein. Oula! Un chocobo. Salut, chocobo. Tout doux. Je peux pas le... T'as pas l'air méchant. Je peux te... Qu'est-ce qu'il fait? Apprivoisé. Ah non, du calme. Je vais le monter. Mon chocobo. Mon chocobo, hein. Parce que c'est... On est sur Kobo, quoi. Loul. Ok, monture Neko. Un Neko. Oula. Appuyez R1 sur cette autre partie de votre monture pour l'appeler. D'accord. Donc ce qui fait que... Avec ce machin là... Je vais peut-être... Ah voilà, je peux monter les cours d'eau. Il y a deux chemins. Hein. Ah oui, non mais il y a le... Je suis peut-être même pas obligé de descendre pour... Ok, il y a des trucs. Neko, c'est pas un personnage dans Star Wars Resistance aussi. Je me souviens plus là. Alors là, bonne question, je me souviens pas. Peut-être, hein, en vrai. Donc là, toi, tu peux pas t'accrocher là, on est d'accord. Hein. Ok. Donc en fait, ton seul but, toi, c'est pour pouvoir remonter les cours d'eau. Très bien, parce qu'on peut pas utiliser la force pour monter, quoi. Évidemment. Ah, c'est bio, hein. Sympa, hein. Mais si le gars... Attends, lorsque vous êtes sur la monture, appuyez de nouveau sur quoi pour une fois en l'air pour... Ok, ouais. Et j'ai loupé un message? Mais quel message? Mais si, le gars en vert qui comprend pas le second degré... Ah, c'est ça, il s'appelle Neko. Par contre, il y a espèce de Nyctos. Belle essai de Nyctos. Attends, mais... est-ce que je peux... Tu peux ouvrir la porte, là? Évidemment que non. Mais par contre, le Neko, je vais le laisser là, alors. Parce que là, si je saute, si je fais le double saut... Eh oui. Et là, si je l'appelle... Waouh. Ça marche, ça? Lol. Je peux récupérer des trucs en étant sur lui? Pas l'impression, hein. Ouais, t'es obligé de descendre ta monture.
Non, mais non, je veux pas le... J'ai pas fait un bug, là, n'empêche. En le faisant monter... Corps. Le principe était d'envoyer une photo prise avec le mode photo in-game et il y a eu 5 gagnants. Ah, j'ai loupé ce message? Ah oui, effectivement, désolé. C'est les 5 meilleures photos qui gagnaient l'édition collector. Oh, ça aurait été bien ça. Bon, mais en fait, du coup... Ok, ouais, je peux attaquer avec. Mais je peux pas utiliser le double sabre. C'est normal, sinon je vais l'empaler, le pauvre. Mais là, par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux l'utiliser pour... Voilà, c'est ce qui me semblait. Mais là, je vais lui ouvrir la porte, on est d'accord. Ou alors, je l'appelle. Et apparemment, il peut venir. C'est pas un bug? Non, en vrai, c'est un bug. C'est un bug. Tu peux l'appeler de n'importe où t'es. J'ai même pas besoin d'ouvrir la porte. Ah, des autres chocobos. Wow. Tu me veux rien? Non, non, mais je suis ami. Hein. Mon ami. C'est un bug. Et je vais être honnête, certaines étaient très basiques. Arf. C'est bien dommage. On dirait des habitations là dans la roche. C'est bien ça. Ça me fait penser à une histoire que j'avais écrite un jour. A sand crawler, you know what that means. Jawas can't be far off. J'avais écrit un truc avec des espèces d'habitations comme ça qui étaient dans la roche. Dans une espèce de ravin. Allez, patauge dans la flotte. Ah non, mais non, mais non. Faut que je m'y prenne. Bah oui, tu t'es payé la tête. Bah oui. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose là-haut? Waouh. Chardon à duvet. Très bien. Bah, le concours était très restrictif. Niveau pays qui pouvait participer. Donc ouais, même le top 10, c'était pas spécialement incroyable. Oh. Mais il y en a eu des vraiment quali. Je veux bien le croire, mais ça fait chier. Enfin, je veux dire, pour la France. Pourquoi la France? Non, mais c'est parce qu'on était trop bons, en fait, si tu veux, en France. Ils se sont dit, non, si on met les Français, c'est forcément des Français qui vont gagner. Donc, non, on veut pas humilier les autres. Et tu vois, je pense qu'il y avait quelque chose comme ça, quoi. Si je saute d'aussi haut avec lui, il se passe quoi? Non, bien sûr, je vais pas essayer. Apparemment, il y a un truc pour méditer là-bas. Hop. Par contre... Se reposer. Putain, j'arrête pas de bailler. Qu'est-ce qui se passe? Je suis fatigué ou quoi? Ils avaient peur de mon dossier de 90 photos d'un certain perso. Ouais, ils se sont dit, non, il y a un Français là. Non, c'est... On va pas le faire, là. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Bidi? Oui, non, mais here they are. Ouais, enfin, notre objectif, il est quand même complètement à l'opposé, quoi. Enfin, non, là, faut que j'aille à gauche. Bon. Oh là, t'as vu la manière dont je suis monté. Allez. Il faut que j'aille là. J'adore sa démarche. Waouh! Oh ouais, des rizières. Hein. Je suis pas revenu à un endroit où j'avais déjà été. Ouais, ouais, il me semble. Ou pas. Enfin, en tout cas, je suis proche, quoi. C'est quoi le bidule là-bas? Là Bon, sinon, pas mal tes vidéos, j'ai jamais vu Star Wars. Ah, merci. Du coup, tu les as vues maintenant? Putain, je pense que t'as ta réponse dans la question, en fait. Et
Bah merci, ouais. Ça m'a permis de faire en sorte de les revoir. Grâce à toi. T'as un bon souvenir. Ça commence à faire déjà pas mal d'années. Presque 10 ans. De rien. Red Dead Redemption, Kobo Edition. Ah oui, oui, on est là. Hein. On est pas mal là, ouais. 8 ans, ouais. La question c'est, est-ce qu'il a vu les vidéos? J'ai jamais vu Star Wars. Oula, là c'est trop métal. Il y a un truc là, non hein. Tiens. Alors. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? It's okay, BD. We'll find another way. Ok, mais à mon avis, il faut que je lui fasse quelque chose. Eux là, ils font quoi là? Coucou les gars. Ça va? That is our wow, 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 wow. Ouah, attends, je sais plus comment on... Voilà. Bon. J'ai un peu perdu de la vie, mais est-ce que je peux y faire quelque chose à ça, là? Pas sûr, hein. Je pense que pour le moment, pas trop de... Ouah. Qu'est-ce qui se passe, là? Je me souviens de ça, mais ça, là. What the fuck? Bon, viens là, Kobo. Première vidéo que j'ai casée aujourd'hui, c'est un plus gros coup d'yeux. Oh, oui. 15 ans. Trop fort, d'ailleurs, ce que t'as fait. C'est énorme. T'as été chercher la première vidéo. C'était du montage. À l'époque, on trouvait ça cool. Tu sais, on partageait, on disait « Ouah, je vais faire un montage avec une musique et tout, il y a des gens qui vont le voir, c'est trop bien !» Et ouais. Et ouais. Ça date déjà. Lumos Maxima. Il y a des choses là où... Je sais pas où je m'enfonce là les mecs, mais c'est ce qu'on appelle de l'exploration là, je crois. Hein. Oula, tanière de Mogu. La plupart du temps, un Mogu immobilise sa proie avant de la traîner jusqu'à sa tanière, où il pourra la conserver et la dévorer à loisir. Le Mogu qui habite cette grotte a visiblement fait une bonne chasse. Bon, bah c'est qu'il a plus faim, je vais pouvoir le tuer tranquille, non? Où est-ce que j'arrive là? C'est l'arnaque, il n'y avait rien du tout. Il est où? En tout cas, j'ai remarqué que tu avais fait un live FIFA il y a longtemps. J'ai regardé à deux reprises pour voir si je m'étais pas trompé de chaîne. Ah non, j'ai joué à FIFA 2015 et FIFA 2018. Ouais, j'aime beaucoup ces jeux. Du moins, ça me fait passer du bon temps. J'y ai passé beaucoup d'heures sur ces jeux-là. Et en vrai, j'aime bien. D'ailleurs, moi, j'avais commencé avec les FIFA Coupe du Monde. FIFA Coupe du Monde 2002, puis FIFA Coupe du Monde 2006, FIFA Coupe du Monde 2010... Et j'avais fait le 2014 aussi, puis après ils ont arrêté. Et ouais. Ouais, ouais. Bon, là on arrive là où il faut. Ah oui, c'est les mignons. Lui il est loin, moins mignon. Donc là en fait, là où je dois aller, c'est ici. Donc on y va. Objet trouvé. Oui, je sais. Ah, c'est pour après le... Pour aller dans le...
De nouveaux personnages, de nouvelles conversations sont désormais disponibles au Pailoon Saloon sur Kobo. Bon, déjà au moins que je trouve l'entrée, quoi. Est-ce que ça passerait pas cette petite rampe là ? Incroyable, on va quitter Kobo, sérieux ? Ça y est ? Si je peux te donner un conseil sans vouloir backseat, je te conseille de pas quitter Kobo maintenant. Dis pas ça pour ralentir le let's play, non, pas du tout. Ouais. Non, non. Je vais faire comme le jeu me dit de faire. Mais je sais, toi, t'as envie que je me balade, t'as envie que je découvre. Mais si on fait ça, 2045, c'est pas fini, quoi. Z, looking good as new. Indeed, that mechanical mix. Ah oui, c'est vrai. I must know. Did you locate the key to Tannenor? Oui. It's complicated, but we'll find it. Monk told me what transpired while I was asleep. To think the Jedi Order is no more, that must have been dreadful for you. We have both been through so much, but we must persevere, Cal. After all, what else is there to do? That's right. You've got room for one more? I shall remain here, but you non, might viens avec nous. I will be at the saloon. I am very fortunate to have met you, Cal Kestis. I found something out there. Well, yeah, what do you got? Another holocron? Jedi. From the time of the High Republic, somehow preserved in Bacta. Dagon Gera. I freed him. And what happened? He attacked me. Escaped with the Bedlam Raiders. He's who they've been looking for. Says the Jedi betrayed him. And turned to the dark side. Are you okay, kid? Tanalar. It's real, Grease. It's hidden somewhere in the Abyss. Oh, that's impossible! The Abyss eats any ship that gets too close! The Republic found a way through hundreds of years ago. That's why they built that array in the forest. A hidden world that nobody's been able to reach for centuries. If you figured out how to cross the Abyss, you could just disappear. Completely. No Bedlam Raiders. No bounty hunters. No Galactic Empire. I'm just spitballing here, but that does sound like a place that someone could call home. Yeah. Yeah, it could be a home. Get your feet down. All right, I'm going back to the cantina. You know, Grease, we could use a real pilot. I don't know. I mean, you're doing okay on your own. I mean, you could clean the Patoli Weave every now and then. We don't know the Mantis like you do. Nobody does. Oh, Cal, I'm sorry. My best days are behind me. I can't even hold my card steady. I know things are different from how they used to be, but I'm not sure I could do this without you. Is that really how you feel? It is. Well, I mean, I guess I could have Monk keep his eye on the saloon. Greasy money. You in? I mean, there's not going to be much in the way of credits. Cal, this is better than any score. Imagine, no more looking over your shoulder. A safe place for us, for the ones we love. If anyone knows about a lost Jedi world, it's here. Jedi! It's about time you paid that lady a visit. Oh, on va sur Jedi. All right. I'm gonna make us some food before we go. C'est vrai que Jedha, elle a pas implosé encore à ce moment-là. Enfin, pas vraiment implosé, mais on va dire rasé. N'oubliez pas de montrer à Doma les minerais rares que vous avez trouvés et de planter des graines dans le jardin sur le toit. J'ai que ça à foutre. Non, je plaisante. Oui, je vais y aller. Cal peut rencontrer d'autres nouveaux résidents qui l'aideront à améliorer l'avant-poste. La boutique de Z, située au premier étage du Pailoon Saloon, est maintenant accessible. Vous pouvez dépenser les disques de données de la Haute République trouvés dans toute la galaxie.
Jardin sur le toit du salon est maintenant accessible. Vous pouvez maintenant y planter des graines récupérées sur Kobo. Allons-y. Jeddah, on va aller sur Jeddah. Cal réalise que Tanalore pourrait être l'occasion de protéger ce qu'il aime de l'Empire. Alors que Grease retrouve son siège de pilote du Mantis et que Bod, oh non pas Bod, rejoint l'équipage, Cal entrevoit un avenir plus prometteur. Alors, qu'est-ce que c'est pas ça? Qu'est-ce que c'est pas ça? Non mais en vrai, le papillonnage, c'est bien, je te jure, demande à Weston. Ah oui, non mais j'ai pas besoin de lui demander, je sais, oui. La prochaine planète est ma favorite, tu sauras en temps voulu pourquoi. Ben, je vois, mais peut-être qu'en la voyant, on sera peut-être encore plus beau. Ah oui, la prochaine planète, j'étais trop content quand j'ai vu qu'elle était dans le jeu. Bah voilà, Jeddah. Bod. Je sais que t'es encore au début, mais sans déconner, ce qu'ils ont fait avec Grease dans ce jeu, c'est ouf. Ah ouais? À ce point? Greasy money, baby, yeah! Le lien avec Rogue One qui fait zizir. Carrément! Jeddah Best Planet. Rogue One, le film incroyable d'ailleurs, c'est important de le rappeler. Oui! Oui, Mando! Oui, Mando! J'ai eu une méga bonne expérience au cinéma avec des personnes de ma communauté à l'époque, dont les bonhommes, hein, je le rappelle. Super film, super moment. Super souvenir et super vlog aussi. Je m'étais démonté pour faire ce vlog sur la partie 1 là. J'en suis fier même encore aujourd'hui, je le regarderai bien. Et bonsoir Parisien, bonsoir à tous, salut Kishni, salut Parisien. Comment est-ce que tu vas? Est-ce que tu te prépares pour les fêtes? Est-ce que tu as des bons plans de prévu? Alors, Jeddah est ma favorite, mais pas pour le côté visuel spécifiquement. Mais si je te dis pourquoi, bah je te spoil. Donc, tu spoiles pas. Plus pour ce qui s'y passe. Pas vrai. Pour ce qui s'y passe. Les petits cachotiers, ils ne veulent pas me dire. Mais c'est normal. Ok, Pailun Saloon. Bon, alors, il y a des trucs qu'on doit faire là-dedans, non? Est-ce que là, on va dans la bonne direction, là? J'ai pas l'impression, là. Je crois que non. Oh là, Bucky! Comment il va, Bucky? L'artiste Bucky. Quel artiste, Bucky. Comment ça va ici? Bah, tout va nickel, et toi? Oh, tu reviens du chinois, c'est bon ça. Et toi, tu commences déjà à bien manger même avant les fêtes, toi. Hâte que tu rencontres Jar Jar dans le monde entre les mondes. What the fuck? Ouais, faut pas exagérer. Non, j'exagère pas. Moi, quand j'aime bien un dessin, je le dis. Et c'est assez rare, entre guillemets, parce que je suis assez difficile en qualité de dessin de manière générale, mais quand je vais te dire que j'aime bien ton dessin, c'est que je le pense. Bah ouais, moi tout va bien, par contre. Ah, ok. Je pouvais pas rentrer. Gonk. 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 Gonk, oui, gonk, gonk. Est-ce que tu... Il me fait rire. Putain, c'est un labyrinthe votre Pailun là-haut. Ouais, non, je dois aller regarder. Ah, ça va, comment il s'appelle le gars bleu avec le chapeau comme ça là. Oh, j'ai des trous de mémoire, c'est ouf. Mais vous allez me le rappeler. Bane, merci Mando. Cad Bane. I swear if Cal weren't there, I would have been 6 feet under. Speak of the Gundark, there's your savior. Hey there, Mosey. Are you stopping to Pailun's often? I check in every now and then. Raiders like to pick on the helpless. And your axe screams, fight me! I dare you! I double dare you! You're too time and dirty! All right, settle down.
Elle est où la boutique là? Il parle de boutique là. On se prépare physiquement. Ouais, c'est ça, en fait, on agrandit un peu l'estomac pour que ça tienne mieux quand il va y avoir les fêtes, quoi. Bon, qui vient d'insulter toute ta famille là. Et surtout qu'en plus, je pense que Scan, il a compris, vu que c'est un robot, c'est un droïde lui-même. Les droïdes Gonk, tu m'as fait trop rire, Mando. Insulter ta famille. Les droïdes Gonk, surtout qu'en plus, ils sont trop mignons. Il te dit juste Gonk, quoi. Les droïdes Gonk, j'ai utilisé souvent en début de game dans Galactic Battleground. Ah oui! Ah, ce jeu. Chad Bane. D'ailleurs, ça me rappelle qu'il a l'une des meilleures scènes dans The Book of Boba Fett. Oh ouais! Oui, oui, clairement, trop bien fait. Le duel façon western, oui. Absolument. Il y a un truc que je peux examiner là. Even covers his cantina couches with Patoli weave fabric. Classic Grease. Elle est où la boutique, les gars? C'est trop clair dehors. Non, mais en vrai. En vrai de vrai. Je me rappelle, Kishni, quand tu as eu peur de mes cargos de marchandises, quand je te les ai envoyés dans ta base. Mais oui! Je me souviens de ce moment-là. C'est vrai. Petit cachotier. Ah oui, c'est vrai, c'est des chiottes, ça. Let's wash up. On se lave les mains et après, on va aux chiottes. Allez, bouge. Ok, bon. Est-ce que c'est là-haut? Non, mais là, j'en viens, là. Mais je m'y retrouve pas, ici, là. Let's see what we find up here. Ah bah j'espère la boutique, parce que c'est un peu ça qu'on essaye de... Alors je sais que c'est un jeu de la merde, mais la map est pas mal pour t'orienter. Ah mais tu crois que... Ah mais même là-dedans on peut voir le Mantis. Rumeur. Mais oui, mais ici on peut pas voir le... On peut pas voir où est la boutique là. À part si je me fais légende. Marchand. Non. Ah, peut-être les... Non. Oh là là, mais c'est quoi tous ces vaisseaux? Je suis attaqué, ils m'ont piqué des trucs. Ça, c'était moi, ça. Bah, orienté de façon de parler... Oui, façon de parler, là, oui. C'est une base de contrebande. Bon, là, c'est plus une cantina, en fait. Hein. Z. Ah, nouvelle boutique disponible. Ah, mais il est là, mais oui. Salut, Z. Mais moi aussi. Mais bien sûr. Oui, mais on va pas faire plaisir à Scan, on va pas tous les trouver. Non, 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 ça c'est non. Je veux juste que... Mais j'ai rien, genre j'ai pas de disque. Flèche du bas pour changer de direction. Ouais, j'ai essayé, ça marchait pas. C'est ton hub? Ouais, voilà, c'est le hub. En plus, je peux même aller planter des plantes sur le toit. Allez, tais-toi! Je veux juste acheter des trucs, là. Enfin, te donner des disques, là. C'est pas vrai, mais... Allez. Mais oui, mais je m'en fous que tu penses que j'ai raison. Voilà, boutique. Oh là là. Alors, bah, j'ai rien, en fait. Si? C'est quoi, ça? Acheter. Ah oui, d'accord. Ok, oui, j'en ai 4. D'accord, d'accord. Oui, bon, il n'y a que des trucs qui servent à rien, quoi. Non, mais j'en étais sûr. Et pour Bidi et pour mon sabre. Qu'est-ce qu'on en a secoué, sérieux? Le lore, c'est important. Mais oui, mais je sais, mais... Les dialogues, le blabla. Oui, oui, mais là, je voulais juste rentrer dans la boutique. Qu'est-ce que c'est, ça? T'es vraiment en mode ta gueule droïde, je vais juste dépenser mes crédits. Oui, c'est ça. Non, mais ils me disent d'aller à la boutique et l'autre il fait que me parler. Putain, ils t'ont mis l'équivalent de C3PO dans le jeu. Ouais, faut appeler Podamron l'affaire.
Mais le pire, c'est que je l'aime bien, ce droïde, mais il parle un peu trop, quoi. J'adore ce qu'ils ont fait avec le saloon. Bah, par contre, c'est vrai qu'il est quand même très cool. Bon, maintenant, en fait, il faudrait juste que j'accède au toit. Parce qu'apparemment, il faut que j'aille planter des trucs sur le toit. C'est un concept, hein. Donc, je pense que si je redescends... Non, c'est pas là, à mon avis. Si. Si, et qu'après... gonk, j'entends des gonks. Et qu'après, en fait, je vais là. La musique, ouais. Je suis content de te revoir, moi aussi. 2 minutes plus tard, je veux pas te parler. Oui, c'est vrai, c'était ça. Oh là là. Je suis impitoyable avec les droïdes. Hein. Demandez à Scan. Il le sait. Bon, alors, faut que j'aille sur le toit, mais... Mais comment on va sur le toit? Oh, c'est pas vrai. Hein. C'est pas possible. Comment on va sur le toit? Oh. Ça va être par l'intérieur, c'est sûr. C'est sûr que c'est par l'intérieur. Bon, elle est où l'entrée maintenant? Là. Bon, on va essayer de trouver. Use the map. Bah, oui, mais la map. Si tu veux qu'elle mette la map? Tu veux qu'elle mette comment la map là? Je vois rien, je vois un truc vert là. Ce serait. Ah, ok. Attends, il a peut-être raison en fait, le bougre. Attendez, on va suivre le bougre. Attends. Il a peut-être raison, hein. On va faire. Droite. Ok. Vas-y, allez. Droite, et là, droite. Oh, il est fort. Tu vas le faire, Outlaw? Enfin, je ne sais plus comment il s'écrit. Ouais, c'est comme ça, je crois. Oui, bien sûr que je vais le faire. Ah oui. Oui, il a l'air carrément... carrément bien. Vous avez découvert le jardin sur le toit de Pailoon Saloon, où vous pourrez planter les graines découvertes lors de votre aventure. Coupez des plantes spéciales pour obtenir des choses qui contiennent plusieurs graines. Certaines cosses contiennent de nouvelles couleurs. Les plantes sont des tailles différentes, les plus grandes ont besoin de plus d'espace pour pousser. Ah mais c'est quoi, c'est Jedi passion jardinage, quoi? Jedi jardin passion. Vous pouvez débloquer les parcelles supplémentaires et des capacités de jardinage en faisant pousser toutes vos plantes à pleine taille en recrutant une botaniste. C'est les Sims en fait là, non? All right. Let's try planting these seeds we found. Ok, Oui. Perfect. J'en ai 37. On va faire un champ de... Écoute, quitte à les planter, on va toutes les planter, hein. Et si je me suis planté, tant pis. I think they'll like it there, buddy. Oui. Ben voilà. Tu peux faire pivoter la map avec le joystick, d'accord. Je n'ai pas vu beaucoup de vidéos dessus, mais sur la fiche, j'aime bien le design du droïde commando séparatiste. Alors là, j'ai pas idée, mais j'ai vu des belles choses aussi, ouais. J'ai passé un peu trop de temps dans le jardin. Mais pourquoi? Pourquoi tu te fais autant de mal, ce gars? Genre une après-midi entière, wow. Mais c'est pour faire quoi, en vrai? Remarque, Yoda, il a dû faire du jardinage dans sa petite maison de Dagobah. Des racines que j'ai fait cuire. Oui. Star Wars Fougère Strikes Back. Mando, excellent. D'ailleurs, Mando, j'y pensais aujourd'hui, bah, tu fais bien d'être là, parce que je vais pouvoir te remercier de vive voix. Enfin, te remercier, te féliciter plutôt. Je te félicite de ce que t'as fait. Là, cette espèce de calendrier de l'Avent, ce quiz de l'Avent, ouais, on peut l'appeler comme ça. Ce quiz de l'Avent dans Question du Jour sur le serveur. Chaque fois les questions, elles étaient toutes aussi originales les unes que les autres, surprenantes à chaque fois, tous les jours, j'étais même intrigué de savoir ce que t'allais trouver d'autre, et vraiment je vois qu'il y en a beaucoup qui ont joué le jeu, et ça s'est bien passé tout du long, parce que des fois, tu sais, quand t'as des histoires de points et tout, t'en as toujours qui râlent, etc.
mais toi t'as réussi à gérer le truc d'une main de maître. Et même si, évidemment, tu n'es pas ambassadeur, parce que je sais que ça peut peut-être te donner une charge mentale un peu trop grande et tu as envie de faire tes events un peu comme tu veux, comme celui-là, et sans ressentir de pression, ce que je comprends à 1 milliard de pourcent, eh ben, je te félicite, parce que c'était vraiment, c'était vraiment une méga bonne idée et tu l'as super bien faite. Et tu ne fais que confirmer ma volonté de début d'année de te dire, tiens, ben... tu as l'étoffe d'un ambassadeur, quoi. Ça sert strictement à rien, mais c'est fun. D'accord, mais tu plantes des trucs, mais faut bien que ça serve à quelque chose, quand même. Ah, tu as un sabre blanc, maintenant? Ouais, j'ai décidé de le mettre blanc. Ça me va droit au cœur, merci. Eh bien, avec plaisir, c'est mérité. Burke, le sabre blanc. Ça va, au moins, tu n'utilises pas la posture du noob. Oui, t'inquiète pas, je le sais. Bon, alors, qu'est-ce qu'on... D'accord. On va papillonner un petit peu. Ne t'excite pas, Scan, d'accord? Ne commence pas à péter des boulons. On va un petit peu, d'accord? Allez, on va lui faire plaisir. On va y aller. Parce que j'ai aussi quand même envie, j'ai pas envie de quitter cette planète en n'ayant absolument rien vu ni rien fait. Donc, on va faire quelque chose. Alors. Il y a un truc... Ah oui, on va mettre une petite balise sur ça. Est-ce que... Ah ok, là je suis. Et donc vu que là je suis... Hey, you. Oui. Oui, moi. Pourquoi j'ai mon expérience qui augmente d'un coup, là? C'est toi la rumeur, là? Non, mais par contre, comment ça se fait que là, je fais suivre? Je peux... Comment je peux... Oh, yes. La posture du noob, ouais, c'est les deux sabres. Je tiens à dire que la bataille Anthony Scapper est l'une des plus épiques ever, mais carrément. Très joli BO, ouais. Je te conseille de faire la quête secondaire dans la grotte. C'est très rapide, je te jure. Ça me met pas en confiance, ça. Bon, je sais pas si on verra Jedha dans cet épisode. Si, t'inquiète pas. Si, je vais papillonner qu'un petit peu, d'accord? Objectif, ne pas quitter Kobo avant... Non. On va le quitter dans ce live. Là, tu vois, on est à 52 minutes de live. Avant 1h30 de live, on l'aura quitté. Bah, pour Scan, le fait d'utiliser deux sabres, c'est la posture du noob, oui. Bon, toi, tu voulais me parler, toi? Non. Enfin, oui, What kind of eyes? Ravis has got a watchtower in the valley. Maybe I'll check it out. Figured you'd say that. Head towards the spires. Le truc d'air. Can't miss it. Of course, they won't miss you either. You know, because of the watchtower. Ok, mais moi, j'ai juste besoin de comprendre quelque chose. Quand je fais suivre... Comment je le vois sur ma map, là? Comment? Parce que là, si à chaque fois, il faut que je fasse... Bon, ok, c'est où? Là, à droite. Ok, à droite. Parce que là, ça va être compliqué. Moi, si je le suis, c'est pour que je puisse le voir. Mais c'est ça la rumeur, non? C'est bien ici là. Non, c'est même pas là. Ok. Just what we need. Bah oui, mais si je peux. Si je peux même pas rentrer aussi. Bon, la rumeur, je crois que c'est là, non? Putain, mais je sais pas me repérer, c'est pas possible. C'est derrière. Bon, bah derrière. Donc c'est là. Ok. Et donc là. Ouvrir. Ah, wow. Wow. C'est vraiment ça, là? Non, c'est pas du tout ça. Et mais tu vois comment j'arrive pas à me repérer? Greetings, ça doit être ça, non?
Donc tu considères Ahsoka comme une noob. Ouh là là. Attends, qu'est-ce que ça dit? Oui mon cher, de toute façon Kobo ça représente 50% du jeu. Je déconne à peine, donc t'inquiète pas, tu auras l'occasion d'y retourner. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. Tu peux voir tes rumeurs et choisir celle que tu veux faire dans l'onglet rumeurs. D'accord. Je suis d'accord, même si plutôt négatif. Pour moi, c'est une jolie planète, mais j'aurais aimé que les autres mondes soient aussi intéressants. À part Jedha, les autres mondes sont moins intéressants. D'accord. Ouais, mais après, si c'était tous des Kobo, laisse tomber, là j'aurais pas... J'ai pas parlé. I didn't say anything. Oh, right. Must be that ringing in my ears. The other day, this roller mine blew up, nearly took my head off. La synchro labiale est très bonne. There's a building just off the path to Dredge Canyon. That's where the roller nearly got me. I bet they're guarding something useful, but I'm not going back. Je vais m'éloigner un peu, tu parles trop Maybe fort. We'll check it out. Be my guest. And be careful. Hold that thought. Bon, ce qu'on va faire. Ah bah tiens, j'avais un truc tout à l'heure là qui. Mais c'est. D'accord. Bah je l'ai plus du coup. J'avais un truc en vert là sur la map. Mais c'est plus en vert. Bon. Bah écoute. Je sais pas. Je peux rentrer là-dedans ? Oui. I'm happy you came here. Nouvelle boutique, encore ? Boutique. See anything you like. What ? On peut se transformer en Justin Bieber ? Find that anywhere else. Ah non, c'est plus lui. Ou lui. Non, en fait, ils ressemblent tous à Justin Bieber, quoi. Non, pas lui. Waouh, ça c'est fort ça. C'est une piste musicale. Marrant ça. You got a good eye. Ouais, t'as vu ça. Hein. Bon. Ouais, bon, on va plutôt papillonner dans des endroits où il y a des choses à faire quoi. Si, je sais même pas ce que c'est ça. Au fait, je joue occasionnellement à Galactic Battleground ces temps-ci et j'ai testé toutes les factions et devine lesquelles je considère comme les moins fortes et les plus fortes. Les moins fortes, je vais dire les Jedi. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Et les plus fortes, je vais dire les Gungan. Apparemment, si on reprononce le mot rumeur, encore une fois, un Anthony Sauvage spawn. Ah, rumeur ? La voix qui est là, mais oui. Elle parle en 0,25. Les musiques, ouais. La coupe 6, tout à gauche, on dirait presque celle de Ben Solo. Ah, je me souviens pas. Bon, allez, on va aller partir un peu, voir ce qu'on peut trouver. Et où est-ce qu'on irait, par exemple? Y a pas grand-chose à faire, là, j'ai l'impression, en face. Hein. Peut-être plus derrière, non? C'est quoi, ça? C'est des passages? Ouais, zone inconnue. Bah, on va plutôt aller derrière, parce que j'ai l'impression que des zones... Ah, quoique là... Attendez. On va aller là, en face, j'ai l'impression qu'il y a une zone inconnue. Une zone inconnue qu'on ne connaît pas, loul. Comment tu as deviné pour la plus forte? Qu'est-ce que tu veux? Je suis dans ta tête, Bucky. Mais alors, la moins forte, alors? C'est les Sith? Les Gungans sont la faction la plus puissante car ils ont Dark Jar Jar Binks avec eux. Alors les deux factions les moins fortes, c'est les Naboo et la Fédération du Commerce. Ah d'accord. Tiens, les amis, ça va ? Bah alors, pourquoi vous vous tapez dessus ? Aïe. Oula ! Bon, je fais un peu n'importe quoi, moi, mais... On y a été, là ? Non, voilà, allez, on papillonne là-dedans. Let's go. Wow. Attends.
Ça ressemble à la grotte, là. Que Scan, il m'a dit « Ouais, c'est pas long du tout. Bon, on va voir. S'ils font un film sur Calquestis, faut pas faire les choses à moitié. Un film qui dure 130 heures parce que le personnage Papillonnage 24 à 8. Oh, ce serait énorme. Mes copains, c'était copains ? Oui, bah oui, c'était copains des droïdes, oui. Et les deux factions les plus fortes sont la République et les Gangasa, d'accord. Oui, il est reçu, reçu. Roger, Roger. Ah, c'est la grotte ? Ne t'y aventure pas ? C'est pas long du tout, non, non, non. Ok, bon, les gars, Kobo, c'est... Non, vous êtes... Je fais quoi ? En vrai, vous me faites tellement peur, là. Bon, maintenant que j'y suis, je suppose que j'ai plus trop le choix. Je vais essayer de vous faire mentir, mais... je suis pour rien. Non, arrêtez, vous êtes sérieux, là ? Mais vous me faites tellement peur. Mais putain, arrêtez ! C'est si long que ça ? Qui dit mieux ? Mais non, mais arrêtez, L'enfoiros. Bon, j'ai déjà presque plus de vie, c'est génial, non ? Wow. Wow, wow, wow. Bout de poil. C'est quoi cette grotte? Dans quoi est-ce qu'ils m'ont embarqué là? Mais non, Kishni, c'est toi qui t'es aventuré tout seul. L'autre il monte son cul là-bas, ça va? 47 avec un peu de malchance. Oui, oui. J'aurais le temps de me marier et avoir un gosse entre temps. 2050 selon mes meilleures analyses. Mais hé hey. Vas-y, scan. Ah, waouh. J'ai coupé, je l'ai slide en deux. Eh, hey, c'est toi qui montrais ton cul là. Dis donc. Tu serais pas un ami à scan, toi? Hein? Et reviens! Ah! Putain, l'enfoiré! Ok, alors qu'est-ce qu'on a là? Une coupe à la Justin Bieber! Non, pitié! Bah non, un truc pour le sabre! Ah non, pour Billy! De toute façon, c'était pas. Aïe 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 aïe! C'est tout! Je me suis fait embouler, picoter juste pour ça. Bon, on est d'accord que je peux pas y aller là. Ça sent pas bon là. Oh, yo yo. Est-ce que je m'enfonce au bon endroit là ? Je vais voir la map ? Je peux pas la voir. Là. Tes droïdes préférés, bien sûr. Bah voilà, chapitre 11 de ma fanfiction Star Wars terminé. Oh, GG. Chapitre 11, c'est pas mal ça, attends. Putain de merde, les gars. On va pas le regretter. Pourquoi ? Vous me faites peur, sérieux, là. Bon, attends, je vais me mettre un petit raccourci. Comme ça, si jamais je veux repartir, je prendrai un raccourci. Voilà. Ok, on est d'accord. C'est un raccourci. Just what kind of creature lives down here. La cage thoracique ouverte d'une énorme créature, les marques sur les structures osseuses indiquent que la carcasse a été nettoyée par un prédateur vorace. Est-ce que, en fait, genre, je vais pas sortir avant 2050 parce que je vais tomber contre un boss qui est impossible à battre ? À vos pronos. En gros, c'est chapitre 2 de l'attaque des clones. Ah oui !
Tu ne peux pas repartir. Ouais. Mon cul, ouais, on va voir. Free shot. Je dis 40. D'accord, ok. Donc c'est un boss. En même temps, ils te mettent une sauvegarde là, quoi. Bon, j'ai compris. Ah, voyage rapide! C'est ça, en fait, c'est voyage... Ben voilà! Allez, on s'en va. Non, je peux... Ils crient. Je les ai fait rager le temps d'une petite demi-seconde, là. Ah oui. Alors, c'est pas un truc de force, ça, non? À chaque fois, je me fais avoir... Non, c'est ressentir l'écho. Ah oui, d'accord. Un prospecteur cherchait un trésor dans les grottes, mais il est tombé sur quelque chose de gros, d'inattendu et de mortel. Tu ne peux pas repartir, sinon je pars au Canada et je te zigouille. Bon, j'ai l'impression que je n'ai pas le choix. Je vous jure, une fois que je l'ai battu, si ça arrive, il y a intérêt à ce qu'il y ait un bon butin. Kishni va-t-il survivre? Oh non, t'as fait un... Ah ouais, sondage. Attends, est-ce que je peux le faire? Edit stream info, red channel, add streamer mark. Je peux... Attends. Est-ce que je peux créer un sondage? Attends, je vais pas faire en sorte que t'aies utilisé tes trucs pour rien. Et j'aimerais bien pouvoir faire un sondage, là. Attendez, je vais aller sur Twitch, vous allez certainement entendre des personnes parler, c'est normal, quand t'arrives, il y a toujours un live qui se lance. Non, c'est bon. Studio vidéo, gestionnaire de stream. Non, mais calme-toi. Comment je fais? Gérer les sondages. Nouveau sondage. Kishni va-t-il... Survivre, j'ai déjà eu Survivor, très drôle. Oui, non. Il va abandonner. J'autorise les votes supplémentaires en utilisant des K-Coins, ok? Et chaque vote supplémentaire, ça vous coûtera... Off. On va quand même mettre 500 K-Coin. Voilà, vous pouvez voter pour 500 K-Coin. Et le sondage va durer... Allez, 10 minutes. Voilà, comme ça, vous avez le temps. Non, allez, je vais mettre 5 minutes. Voilà. Normalement, vous avez le sondage maintenant. Pour te faire une piqûre de rappel, ce chapitre, c'est celui qui me saoulait à écrire. Oui, vu que tu devais utiliser du blabla politique. Donc c'était celui-là, d'accord. Ah oui, cool. Bon, bah, tant mieux. Tu l'as passé. Comme dirait un grand sage, non. Il va quoi, hein? Alors, Kishni va-t-il survivre? Pour le moment, il n'y a qu'un seul vote, non. Bon, je verrai plus tard. Bon, bah, est-ce que j'ai le choix? Qui va péter la colle. Est-ce que c'est un... Oui, c'est un. Je sais plus comment ça s'appelle, mais d'accord. C'en est un. Ouah, c'est un rancor. Et on va essayer rancor et rancor. Je peux me dégager là? Apparemment non. Ok. D'accord. D'accord. Faut appeler Gros Goût, ouais. Wouhou. Ok. Ça donne le ton déjà. Mais j'ai même pas récupéré mes trucs, j'ai été dessus.
Mes points de compétence. J'étais dessus. Pourquoi je les ai pas récupérés? Ainsi font les petites marionnettes, putain. Pourquoi? Comment ça se fait? Difficulté maths, c'est one shot, même avec toutes les upgrades. Ah d'accord. Bon, déjà, je me fais quand même pas mal one shot. Ah mais si, c'est bon, j'ai mes compétences. Attends. Ah mais j'ai l'impression qu'en fait tu perds pas tes points de compétence, tu perds juste la barre. Mais comment on fait pour récupérer alors? Quand tes compétences elles sont au sol, tu perds ta progression vers le prochain point. D'accord, ok, oui mais... Oui mais comment... J'étais dessus, comment je fais pour la récupérer? Bref. Appuyez ce triangle en l'air pour percuter le sol en infligeant des dégâts en zone. Il faut appuyer sur le joystick droit. Bah d'accord, il fallait le savoir, wesh. Maintenez L1 triangle pour lancer le sabre laser. Maintenez triangle enfoncé pour garder le sabre laser en place et utiliser pour le diriger. Ah ouais. Et côté survie, là. Réduit le temps nécessaire pour vous soigner, ouais, non. Cal récupère plus de santé lorsqu'il utilise... Ouais. Ça, de toute façon, c'est bien, hein, en vrai. Il y a au moins ça que je veux prendre. Au moins, les trucs... ouais, c'est ça, c'est pour moi, c'est obligé, quoi. Voilà, bon, on va faire ça. Bon. C'est effectivement mal parti. Vous avez dit 40 tries. Je pense que ça va être le double. Je le vois, c'est mal en vrai. Hein. Mais 12 secondes! Mais il me laisse même pas le temps de respirer, quoi! Putain! Oh! 2 secondes aussi, mec, là! C'est tellement violent, mais oui! J'ose même pas l'attaquer. Mais wesh. J'ai fait le con là. Faites voir le sondage là. Attendez. 8 pour non. 3 pour oui, il y en a quand même. L'agression. Pas mal comme premier combat après 3 semaines. Ah merci. Il y a au moins un peu de positif. 3 lives pour ce petit rang. Mais ça va, et je l'ai quand même bien amoché, non? Enfin, si on compte pas les droïdes. Mid HP, presque bel essai. Merci, merci. Ouais, ça va. Pour le moment, ça va, mais... Je sais pas si je vais pouvoir renouveler ça.
Ooh! J'ai esquivé. Je vous jure, j'ai esquivé là. Non, en vrai, tu t'améliores à chaque try. Merci, merci. Je crois en toi, Kishni. Merci, Parisien. Et là, je croyais en moi aussi, mais je suis désolé, j'ai esquivé pourtant. Mais... on est pas mal. Mais il suffit d'une petite erreur d'inattention et c'est mort. Ouais, d'accord. Voilà, bah j'aurais dû m'en remettre de la vie. J'essaie de découvrir un peu son pattern. Défonce-le, Luc l'a fait. Oui, je vais y arriver. Merci, merci. Est-ce qu'ils sont très punitifs comparés au premier? Ouais, et puis je trouve qu'il met beaucoup de temps à attaquer. Est-ce que je devrais pas utiliser le sabre simple avec lui? D'ailleurs, j'en profite pour saluer les devs qui ont fait le sound design de ce boss. Oui. Vous savez quoi? Mais après, je suis peut-être plus lent avec le simple sabre, non? Je vais quand même essayer. Je vais essayer. Je veux voir ce que ça donne. Merde, putain. Non, mais ça compte pas. Ça compte pas, j'ai même pas eu le temps, là. Ça compte pas. Ça compte pas, ça compte pas, ça compte pas. Allez. Des patates de four. Oui. Deux secondes. Oh ouais, les patates. Mais pourquoi? Ah, je me sens plus à l'aise avec les deux sabres quand même. Hein. T'as vu ça, Ced, un peu? C'est violent, quoi. Bon. On va remettre les deux sabres. On va voir. Mais putain, mais... deux patates, ça y est. Au secours, au secours. Je comprends pourquoi on n'y sortira pas avant 2050. Mais non, il va pas commencer lui. Non, non. 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 Mais là, si je veux esquiver ça, je dois sauter peut-être. Oui. Pourquoi? T'inquiète, Trivia, tu peux vaincre ce rencor inoffensif. Oui. Oui, je vais y arriver. Dis-toi que c'est l'un des...
des boss les plus simples du jeu une fois que t'as saisi le pattern. Oui, j'imagine. Mais non, mais tu vois, par exemple, là, le pattern m'a l'air effectivement simple. Moi, ce qui me fait peur, c'est juste quand il me grabe. Mais je pense qu'il faut juste que je saute. À mon avis, hein, faut juste que je saute. Putain. J'ai pas sauté, mais j'aurais dû. Mais what? Comment j'ai fait pour l'esquiver? J'ai pas compris. Quand tu sais pas comment t'esquives, c'est qu'il y a un problème. Faut sauter. Non. Il est où le 2050? Il est où le 2050? Ça fait 1h22 de live. On va aller droit au vaisseau et on va s'en aller. Et comme ça, j'aurai raison. On aura quitté Kobo avant 1h30 de live. Ouais. He's a gamer, let's go! La fin, c'est avec toi, mais oui! Incroyable! Merci, GG. Merci, Sed. Merci, Scan. Merci, Mando. Ouhouhouhou. Je veux un clip de ça, là. Il me faut un clip. Oh! Dehors le rancor, ouais. Exactement. C'est bon ça. Yeah, j'aime bien vous faire mentir. Mais vous savez quoi? Vous avez été ma source. Ma source de... de motivation. Let's go, merci parisien. Nouvel avantage obtenu. Alors fracassement, c'est quoi ça? Ça veut dire quoi en fait? Nouvel avantage obtenu. Faut que j'aille voir là où je peux méditer, non? Need to center myself. Ouf. Ah, c'était pas mal, hein. Je plus sois, c'était bien de papillonner. Mais c'est quoi ce truc fracassement, là? Où est-ce qu'on sait? Appuie sur triangle en l'air pour percuter le sol, infligeant ainsi des dégâts en zone. Ouais, ça, c'est bien, ça. Je vais faire ça. Ouais, c'est bien ça. Ça permet d'un peu de les repousser, quoi, s'il y a quoi que ce soit. Bon, All set. Et ce qui fait que du coup, là, je peux me téléporter. Voyage rapide. Et là, c'est où qu'on a vu des endroits où genre... on va se téléporter au moins à la sortie, on verra bien. Attends, ça a fait un clip là.
Ça a fait un clip. Attends, je vais la regarder en direct. Merci, scan du clip. Génial. Excellent, merci. Hésite pas à le poster dans... Ah bah non, c'est vrai que t'es... Bah, est-ce que quelqu'un qui est sur le serveur, genre Mando... Ah bah Mando aussi, il en a fait un, hein. Allez, let's go. Deux fois plus de plaisir. Si tu peux poster les deux, si tu prends le lien, si quelqu'un peut le faire, poster dans Kishni Stream, par exemple, ce serait énorme. Il a fait un clip quand je me fais bouffer. Ah, c'était le début. Comme ça, on aura le début et l'après, c'est bien. Tu peux poster le tien d'abord, Mando. Ouais, ça donne le ton. Aïe, 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 aïe. Ah. Le mien date d'avant. Ouais, 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 bah tu peux le mettre avant, au pire. Et envoyer 90% des revenus générés par ce clip. Hello, sorry for bothering you. I want to offer promotion of your channel, viewer, follower, views, chatbot, etc. The price is low than any competitor. The quality is guaranteed to the best. Flexible and convenient. Order management panel, chat panel, everything is in your hands. Turn it on, off, customize. Go to streamrise.com. No thanks. Non mais je sais que c'est une arnaque. Ban ce gars. Y a Ced. Ced est modérateur. Si tu veux le ban, you can. Voilà, c'est fait. Voilà, même pas besoin de demander, nickel. Merci Ced. La tarif l'ont à faire de l'arnaqueur. Attendez, s'il vous plaît. Une question simple. J'ai eu avantage fracassement. Qu'est-ce que c'est? Comment je peux voir pitié? Je veux voir. J'ai besoin de comprendre. Avantage? Ah mais oui, c'est ce machin là, non? Oui! C'est ça. Alors attends. Dégâts de jauge de blocage. Les attaques sont plus efficaces pour briser la garde des ennemis. Oh, c'est bien ça! Sauf que ça coûte 2. Ah oui, emplacement utilisé. Celui qui coûte 2, c'est dextérité. Les lancers de sabre infligent plus de dégâts. C'est vrai que c'est pas mal, mais comment te dire que je vais le déséquiper et puis je vais mettre le fracassement. Et je lui ai pas fracassé la gueule pour rien! Donc on va l'utiliser. Ouais, on va faire comme ça. Oh putain, ça fait 1h29. Vite, faut que je me casse. On reviendra sur Kobo, vous en faites pas. Mais là, je trouve qu'on a fait quelque chose quand même qui vaut le coup, d'accord? Ok, j'ai trouvé un objet. J'ai trouvé une graine, certainement. Alors, faut pas dire ça aux Québécois, parce que une graine, ça veut dire autre chose. Non, pars pas, non! C'est Jedha, ça va, ok, tu peux partir. Mais oui! Allez, on va sur Jedha. Bon, par contre, faut que je retrouve mon vaisseau, moi. On va pas céder de la map. Je pense qu'il est juste là derrière. Il est là, non? Mais oui, voilà. Allez, cours! Cours ta vie! Vive le sable, exactement. Allez, go Jedha, go. Voilà, 1h30. Allez, c'est ce que j'avais dit. C'est pas un peu fort, ça, quand même? Utiliser l'eau de table? Non, moi, je veux juste partir, en fait. Non, je te parle pas, Bod.
Non, mais c'est où? C'est l'holotab, non? Comment je fais pour partir? Ça doit être l'holotab. Ou c'est peut-être là, en fait. Non, ça doit être l'holotab, parce que c'est là où tu choisis les planètes, je pense, ouais. Aïe, au fait, les rancors spawnent sur Kobo maintenant que t'as battu leur boss. Non, tu rigoles. Par contre, la probabilité qu'il y en a un qui spawn est extrêmement faible. Ah, d'accord. Maintenant, le rancor de Jedha... Je joke, rassure-toi. D'accord, j'espère. C'est ça, hein. Ouais, objectif, Jedha, c'est parti. Y va. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, attends. Je peux aller voir... le petit bug. On voit rien, là, wesh. Arnaque, wesh. Ça fait bien de revenir dans le cockpit après si longtemps. Ah, là on voit. Just getting used to things. Never been to Jedha. We headed to the city? No, last I heard, Seer was holed up. Woohoo! Enlève les mains! I just wish he'd pick a more lively cult. We're getting a signal from Jedha. That's Seer. I sent word ahead that we'd be visiting. Let me put it up. Mais non, on peut lui faire la surprise, wesh. Hey, Cal, check the holo projector. We got a call from Jedha. Ok, on a un call. Pote, t'as pas le droit à la parole, tais-toi, oui. La typose de Grise, oui. Maintenant, le... Ah non, ok. Ok, donc on va parler à Serre. Serré. À Serrera. Réré. Oula. Bah, moi aussi. Hi. Is Seer there? C'est moi. We eagerly await your arrival. However, a dust storm is sweeping over our location. Ah bah, par hasard. It is too dangerous for your ship to land. How will I get to you? Master Jundah has arranged for an escort who will guide you to us. Wait, she's sending someone else? I will transmit the rendezvous coordinates to your pilot. Okay, I got it. Disembark with caution. Imperial patrols have been seen in the high desert. Thanks for the warning. On aura quand même quitté Bod, Kobo, Kobod, avant 2024. Wow. Les Anachorètes Narkis sont un culte d'adorateurs de la Force sur Jedha. Le nom de ces ermites, moi, je veux voir... comment il s'appelle? Le gars incarné par Donnie Yen. Bon, vous allez m'aider. Je veux le voir. Non, on le verra pas. Le nom de ces ermites monastiques provient d'une région de Jedha qu'ils fréquentent et qu'on appelle les montagnes de Narkis. Ils vénèrent la force et l'interprètent comme la connaissance et la compréhension ultime. Mais c'est pas justement eux, là, non? Non. Oh. Les Anachorètes pensent que chaque élément de cette galaxie, des personnes aux étoiles, en passant par les Boggling et les astéroïdes, fait partie d'un vaste réseau de compréhension interconnectée. Les Jedi et les autres êtres sensibles à la force sont perçus comme des êtres éclairés à travers lesquels la connaissance et la compréhension sont transmises de la force vers l'extérieur. J'ai jamais vu ça. Non, mais moi j'ai tous les bugs. Scan. J'ai vu poster partout sur les réseaux. Ah ouais? Il y a Grise qui a eu un glow-up dans ce jeu, mais genre, pas là, là, je dis rien. Mais t'arrêtes, toi. C'est très jeu vidéo, ça. Vous pouvez pas vous poser devant la base. Donc il va falloir faire un mini détour. Oui, oui, c'est... j'ai pensé la même chose. Il y a plusieurs religions sur Jedha. Ah, mais les Anachoris ont rien à voir avec Baze et Shirut. Shirut Imwe. Mais oui, c'est ça. J'avais oublié. Waouh. Jedha. Est-ce qu'on va y voir Chupacabra, là? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Putain, mais je perds tous les noms, c'est pas possible. Est-ce qu'on va voir...
Che Guevara, là. Aidez-moi, s'il vous plaît. Qui ça? Arrête, tu sais très bien de qui je parle. So Guerrera. Oui. Merci, Mando. Cordova du premier jeu. Cède, enfin. Bon. J'ai fait corps avec la force et la force était avec moi. Oui. Che Guevara. Voilà, bah, So Guerrera, ce sera Che Guevara maintenant. Non, j'ai envie de parler à Grise. Shouldn't you be heading out, Cal? Just wanted to make sure you're all right. What, do you think I'm not all right? Mais c'est bon, je voulais juste te parler, mec. You were watching my hands during landing? That's creepy. Bon, allez, bottes quand même. Be careful out there. No pointless. Pas lèche-cul non plus. Grease, have you been telling stories about me? I got plenty of things to talk about besides you, kid. Ok, bon. Perds tous les noms, le monsieur. Mais moi, mais ça, tu me connais pas alors, parce que moi, c'est toujours depuis le début. Hein. Tout le monde sait que je perds tous les noms. Et comme par hasard, je me souviens toujours du nom de Bod. Tu vois, c'est marrant, ça, non? Bon, alors, Jeddah. Ah ouais, c'est Jeddah. Hein. Et on peut pas se tromper. Hein. C'est bien Jeddah, quoi. Bon, là, j'ai l'impression... J'ai l'impression qu'on aura peut-être moins de papillonnage que sur... Ou pas. Si on peut vraiment explorer tout ça... D'accord. Alors là, par contre... Bon, le jeu me dit clairement non. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire, alors, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Bonjour, tu es arrivé sur le Jeddah. Maintenant, débrouille-toi. Oui, bon, il faut que je monte là-haut. Ça, c'est sûr. T'as fait un autre clip? What the fuck? Cible. Ah non! Che Guevara là! Oh non! Au secours! Génial! Putain. Che Guevara. Chupacabra là. Non mais attends, mais par contre, là il y a un autre problème, c'est que... Attends, on va essayer d'être intelligent. Ça c'est pas donné pas. Ouais bon d'accord, il y a forcément un truc que j'ai pas compris quoi. Ça ressemble au nom d'un ancêtre perdu. Chupacabra. Oui, c'est un Wookie. Un Wookie. Le poteau, c'est Chupacabra. C'est l'arrière-grand-père de Chewbacca. Oh putain. Oh le délire. Oh. Ouh, bah grâce à vous. C'est son frère. T'as l'arrière-grand-père de Chewbacca, c'est Chupacabra. Et son frère, c'est Copacabana. On va faire tout un arbre généalogique comme ça. Oh putain. Avec vos conneries, j'ai trouvé comment passer. Non! Allez, c'est bon. Ouh. Oh putain, qu'est-ce qu'on se marre. Time to climb. Hang on, allez, on va se faire Mario. Yeah. Wouhou. Yippie. Merde, non. Attends, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Yeah.
Mais vas-y, putain. Il fait des capriolles. Yahouhou. Yippie. Mais va en arrière, là. Non, mais en arrière. Non, mais comment je saute en arrière? En fait, non, faut juste que j'aille là. Oh putain. Ouh, salut Willou. On était en train de parler de l'arrière-grand-père et du frère de l'arrière-grand-père de Chewbacca. Chupacabra et Copacabana. Oh putain, fou. Il avait ce nom en tête car il aime les Wookiees pour ça. Mais oui, bien sûr. Gal a pris un peu trop le bâton de la mort. Oh, je crois que nous aussi. Hein. Putain, non. Gotta be careful. Non, mais je relâche là, tu sais, la pression avec le rancor là. J'en voulais rancor, mais non. Allez. Yeah. Wouhou. Alors, on a fait notre petite Mario. Super Smash Cal. Super Cal Bros. Super Cal Bros. Oh non. Arrêtez-moi. Oh non, il y a encore des clips. Je sens que ça va être le... Je sens que ce live, ça va être... Oh putain. Et bien sûr, ne pas oublier de poster tous ces clips giga cringe sur Discord. Ah oui, faut pas oublier ça. J'en laisserai pas. Putain, je me marre. Ah mon dieu. Putain. Super Mario. Voilà pourquoi je me suis abonné à cette chaîne. Ah, oh, c'est adorable. Mais vous participez quand même beaucoup au délire, hein, parce que si vous étiez pas dans le même délire, ça marcherait pas, quoi. Ah oui, on va activer ça, ouais. Ah, parce que vous avez des bonnes conneries à la seconde aussi. Hein. Ça fait du bien. Waouh. Mur du monastère. Bon, on va se reposer, même si on n'a pas besoin. Hein. C'est beau. C'est bio et c'est pas Kobo. Ah, putain. Foutage de trouble est réel. Un conseil, fais gaffe au sol. Ah, sable mouvant. Mm-hmm. Bon. Bah, peut-être qu'en fait, on va apprendre ce que c'est que de se brûler quand on se sera brûlé. Ah. Ah, non, pas sable mouvant. Est-ce que c'est des... Putain, il y a des tirs, là. What the fuck? Est-ce que c'est des trucs comme dans le... Bah, le tout premier épisode de la saison 2 de Mando? Je sais plus comment ça s'appelle, là. Le truc qui bouffe Boba, non, c'est pas ça? Non, c'est pas la même chose. Je sais plus. Je confonds tout. Je suis un faux fan, sérieux. Sable carnivore, ah d'accord. The floor is lava, Jedi édition. Merde, the floor is lava, the floor is lava. C'est bon, je suis dans mon camp. Dragon crate, oui. Mais c'est pas un dragon crate, d'accord. Ok, d'accord. Ok, donc en fait, faut vraiment pas aller sur... Faut pas aller dans le... ouais, sur le sol, quoi. Non, mais j'ai compris. La réplique, je suis fan... perd de plus en plus de son sens dans ce stream. Ah oui. Qui a la ref de Je suis fan? Qui a la ref?
Non, mais ça va reprendre son sens, t'inquiète. Copacabra, on retient. Oui, oui. Non, mais ça... Copacabana, Chupacabra, oui, c'est ça. Et sa sœur, c'est Abracadabra. Je suis faux fan. Non. Au pire, pense à Dune sur cette zone. Ah, d'accord. Je sais pas si ça va aider. Pascal au bistrot, je connais. Aïe, aïe, aïe. Oh, hello. Bon, premier ennemi de Jedha. C'est parti. Salut. Plus calme. Non, c'est pas bon ça. Mais calme-toi. Mais t'enfuis pas. Hey, BD. Mal. Good find, BD. C'est quoi ça alors, un Sutaban? Les Sutabans rôde dans les ruines des anciens temples de Jedha à la recherche d'une proie dans les étendues glaciales. Ah bah. Une proie dans les étendues glaciales sur Jedha? Hein? Mettez le même avec le chat. Hein? Très belliqueux et déterminés, les Sutabans assaillent leur proie avec un déluge de coups portés par leurs bras sinueux mais puissants. Ils sont cependant connus pour perdre leur sens de l'orientation et leur sang-froid. Ah oui, c'est pour ça que l'autre, il a commencé à... Lorsqu'ils sont en chasse, et sont parfois désorientés par leur propre attaque. Oui, c'est marrant. Ce qui permet à leur cible de fuir ou de riposter. Ouais, ils sont drôles, en fait. Petite anecdote, le move... Attends, je vais augmenter ma luminosité, là, parce que je vois rien. Le move 7 le move 7 de ce mob est entièrement recyclé de celui d'un autre mob du premier jeu. Ah ouais? Le Nidak, d'accord. À ne pas confondre avec le sous ta chaise. Oh non. Sous ta banc, sous ta chaise, sous ta table, sous ton divan, sous ton canapé. C'est toute la même race en fait. Tu vois que c'est ça, à quoi ça amène les conneries là. Et après t'as des dérivés, mais c'est des dérivés, tu sais, qui ont eu un peu de, comment on appelle ça, qui ont eu des implants en fait. T'as sous ta chaise de gamer. Oh, putain, je sais pas où est-ce qu'on s'en va, mais on s'en va. Oui, le Willou avec les chats. Oui, le hein. Qui connaît. Ne pas confondre avec les Sutaban Mando. Sutaban. Oh là là. Et j'aime pas les chats. Mais non, mais je le sais. Je le sais, Scan. Sous ta banc. Sous ta chaise. Sous ta table. Sous ton canapé. Sous ton divan. Sous... Mais non, mais en fait, j'en viens de là. Attends, j'ai visité là. En fait, je crois qu'il n'y a rien à voir. Hein. Si, là. Bon, mais bien sûr. Bon, là, je peux rien faire. J'aime les Lot 4, par contre. Ah, c'est bien, ça. Pour une fois que t'aimes quelque chose. Bon, je peux... Je pense que je peux rien faire, là. J'ai tellement... peur de marcher dans le sable... Ok. Encore un clip. Je t'aime pas, Kishni. Non mais ça fait plaisir. Attends, je vais avancer un peu. Sous ton divan, sous ton canapé.
Aïe aïe aïe. Attends, merde. Non, non. Non. Oh mon dieu. Ça me met des streams que je veux pas voir. Ah bah oui, ma kill direct, oui. Bon, finalement, la fin du let's play est bien programmée pour 2049. Mais pourquoi? Mais parce que je dis trop le chat aussi. Mais oui, mais je vous aime bien aussi. Je vous dis des conneries, des goûts de conneries. Mais là, là, je peux rien faire. Là. Non, mais j'ai trop peur de marcher dans le sable, wesh. Attends, d'ailleurs, faut que j'aille où, là? À gauche, comme par hasard. Et maintenant? Ouais! Ouais, c'est bien. Mmh. Quelque chose me dit que je ne peux pas y aller par là. Waouh. L'industrie des clips va stonk grâce à toi, Kishni. Ah bah, c'est toi aussi qui l'ai fait. Hein. Et grâce à tes conneries aussi de base, aussi, la plupart du temps. Oh non, 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 j'ai oublié. Non. Calme-toi, la musique. D'accord. Bon, on va aller à gauche. Je peux rien faire là. Au secours. Aïe aïe. Mais putain. Mais oh les gars là, se calmer un petit peu là. Pourquoi je sais pas comment je me suis pas fait manger hein. Les déserts de Jeddah sont froids et peu accueillants. Infrangueux. C'est pour cela que l'infrangueux a développé des moyens de se protéger. L'infrangueux se cache dans sa carapace, non pas pour échapper aux éléments, pour se défendre contre les prédateurs. Cependant, tous les infrangueux ne développent pas cette carapace. Elle peut être retirée avec une facilité relative, mais ces créatures deviennent extrêmement vulnérables sans elle. Facile à éliminer, il n'en reste pas moins prompt à attaquer et à cracher tout ce qu'ils considèrent comme une menace. D'accord. Alors, je sais pas comment j'ai fait pour pas me faire attraper, là, mais... On va ressentir l'écho. We'll break camp at first light. We're running low on water. If we do not find an oasis, we will never reach Pilgrim's Crossing. Pèlerin perdu. Chemin? Ok. Ok, ok. C'est peut-être les... Les espèces de trucs sur... chaque planète a peut-être un truc spécifique. Ici, c'est les parchemins. Je sais pas, je dis peut-être une connerie. Hein. Non. Wow, wow. Ah oui, c'est là où j'étais... Ok, attends. Oui, j'ai l'idée, là. J'ai l'idée. Un parchemin des anciens OMG. Oui. Oh, attends, mais what the... On n'est pas dans Mario, là? Arrête bien, hein, truc, hein. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe? Non. Non. Non, non. Non. Non.
C'est moi ou c'est Tridia? Non, c'est pas elle. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Ah non. C'est quoi ça? Mais j'ai pas signé. J'ai pas du tout signé pour ça, moi. Mais prends ton deuxième sabre, là. Mais pourquoi j'ai pas le double sabre? J'appuie à droite, ça marche pas. Mais pourquoi je peux pas mettre mon... Mais j'ai même pas mes capacités non plus. Mais... Hein? Mais je veux mon deuxième sabre. Putain. Bon, on panique pas. Qu'est-ce qu'il fout là, Boba Fett? Je veux mettre mon fucking deuxième. Je peux pas. Ton deuxième sabre, ton sabre, ton sabre. Mais putain, mais pourquoi j'ai lui? Je veux changer. Je peux pas. Moi j'ai pas débloqué de compétences avec celui-là là. Bah oui. Pas fini, toi? Bah oui, mais là, c'est mort. Pourquoi je peux pas mettre mon deuxième sabre là? Il y en a plusieurs comme ça, c'est des défis. C'est un bon entraînement pour maîtriser les postures. Oh, mais oui, mais quand j'ai... Boba Fett, Walmart édition. C'est que la vague 1 sur 10, non. It's an echo in the force, but somehow incomplete. Damaged. Deuxième sable, oui. Il y en a pas assez sur Whatever Jedi Fu du deuxième sable. Doesn't seem to have helped. The echo's still here. Ah, y'a qu'une vague. Bon, ok, on va le faire alors. Focus, girl. Ouais, mais j'aime pas trop ton... j'aime pas trop ton smiley, là. Bon, on va voir. S'il y a une deuxième vague, c'est qu'il y en a 10. Allez, let's go, on va voir. Mais non! Comment je fais pour leur envoyer? Non. C'est un gros bordel. Hein. I have taken damage. Attack the enemy.
sorry. Not today. What a squint. Oh, God. That's this. Oh, he's so fat. PD. Enemy is running. You won't escape. Now look at that. Taking him out. Advance. Help, please. How much is the dragon? Yeah, that's right. Squirm all you want. Mais chut. Mais il a repris tout ça. C'est affligeant. Dis, tue-moi. Il y en a vraiment 10? Ah oui, c'est vrai, RT et tout pour force push, et tout. Non, je vais essayer d'au moins avoir la première vague. Si je vois qu'il y en a d'autres, je laisse tomber. Il y en a pas 10, mais arrête. Bah, j'espère qu'il y en a pas 10, parce que vu comme je galère, putain. Oh, c'est pas mal ça, le force push. Calmez-vous les mecs. Non, c'est pas l'un, c'est l'autre, quoi. Oh merde, j'ai pas vu ma vie. Oh, aussi fiable que Chopper. Ouais, non, on va le voir tout de suite, de toute façon. Une fois qu'on aura battu la première vague, si c'est pas la seule. En plus, je sais pas pourquoi je fais ça. Putain, pourquoi je fais ça? Pourquoi ils m'ont emmené là aussi, là? C'est pas possible. Pourquoi j'ai le sabre normal, j'ai pas le double, là? J'ai pas mis de compétences sur le simple. Pourquoi? Baby. Quoi? Mais le steam et tout, pourquoi ça a pas... What the fuck? Je peux pas recommencer là? J'utilise deux steam, y'a rien qui monte. Bah oui, mais Kishni, parce que tu t'es fait toucher pendant que le steam y montait. Oui, bah s'il te plaît. C'est déjà bien assez compliqué comme ça. Mais vas-y, j'esquive. Bon, on va essayer de comprendre un peu. Everything,
Waouh, j'en ai tué un. Waouh. C'est addictif, ouais, bah oui. C'est dommage, hein. Le noobisme, oui. Je suis pas prêt pour la suite. Ouais, mais c'est parce que là, j'ai mon sabre simple. Ça changerait tout si j'avais l'autre sabre. Ah là 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 là. Mais non, mais j'ai sauté, c'est pas vrai ça. Non! Voilà. Ok. C'est pas lui que je veux attaquer, c'est pas vrai. Come here. Where's the fighting running? Help, Sim. Freedom. Grabbing some. Time to make an example of you. Et bien sûr. Help me, BD. Stay put. Untouchable. I'll break you. Oh, mais ils font 36 000 fois les attaques. Qu'est-ce que tu veux faire? 2049 se rapproche lentement mais sûrement. 2049, c'est le nombre de tries. Ouais, je crois. Mais je suis en train de me dire, mais est-ce que je le fais ça? Ça va me servir à quoi? Je vais avoir une coupe à Bieber et une partie du corps de BD à la fin. Ça va me servir à quoi? Oh. Ah oui, je regrette le rancor, ouais, complètement. Non, mais c'est... Non, mais là, c'est un peu... C'est un peu too much, là. Et bien sûr, tu sautes, tu fais tout, t'esquives tout, et tu te prends tout quand même. C'est bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Juste pour tuer eux là? Non mais vas-y, tue-moi au pire. Ce fight est plus compliqué que celui du rancor. Non, oui, un chouïa! Un chouïa! Je n'en étais pas quand je disais que le rancor est plus simple. Oui, oui, non mais c'est vrai. Quand je vois les super droïdes de combat, je me souviens qu'ils sont un véritable cauchemar sur République. Ouais, ah, j'imagine. Ouais, restez calme, ouais. Calme, Kestis.
Aïe aïe aïe. Pourquoi je fais ça, ça? Pourquoi je fais ça? Je sais pas pourquoi je fais ça en vrai. Mais je peux même pas me remettre de la vie. Kestis. Faut rester calme, mort de rire, le jeu te fait passer un message carrément. Oui, t'as vu. Non mais là le problème c'est que t'as même pas le temps de te poser, tu sais, pour comprendre. Ça arrive de partout. Avec leurs attaques rouges là, c'est impossible. Tu sais même pas ce qui se passe. Patience pour un Jedi, il vient le moment d'observer avant d'attaquer. Mais tu ne peux pas observer, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Tu peux pas, il t'attaque dans tous les sens, faudrait mettre sur pause, mais tu... En tant qu'autoproclamé PGM Pro Ultra Super Mega Giga Omega Skill Level Max Hardcore Gamer, je te conseille de tuer des mecs en jetpack en premier. Ouais, je me demandais, mais... Problème, c'est qu'il y a tous les autres, quoi, à côté. Il faut bien que je les tue, quand même, au moins, ceux de... Après, moi, il y a un truc que je me dis. C'est que... Attends, il y a un truc que je me dis. Ça, je me le dis depuis le début. Ceux qui tirent, là, ils envoient parfois des missiles. Et ça, ça peut faire mal aux autres. Donc, je me dis, est-ce que... Bon, allez, je vais me coucher. Bonne nuit à tous. Bon réveillant à tous. Bah, merci. Et toi aussi, joyeux Noël, Bucky. À la prochaine. Voilà, lancer des roquettes dans la populace, c'est ce que je me dis. Salut, salut, Bucky. The echo hasn't faded. I guess voilà mon avis. T'as pas le temps. Tu peux pas. Attendez, j'ai une technique là. Les jetpacks en premier. Comment tu fais quand t'en as un qui te... Pas possible. C'est impossible. Impossible. Ils t'attaquent tous les trois, c'est pas possible. Impressive reflexes.
Ah, ça marche bien ça. I will yield. Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Hey BD1! En plus, il regagne son truc super rapidement. Skill issue. Je crois que t'as tout résumé, Lacia. En fait, ce défi, je dois le faire uniquement avec le sabre simple, alors que mes améliorations, je les ai toutes mises sur le sabre double. Et comme un con, plutôt que de partir, je m'obstine à essayer de le faire. Complètement pété du ciboulot, le Kishni. C'est ce genre de moment qui me rappelle que la confusion est vraiment le pouvoir le plus sous-coté. Sérieux ? Merci. On va voir ce qu'on peut faire avec la confusion. Ah oui, c'est dommage ça, oui, mais on peut dire que je suis buté, et donc je continue. Non mais vraiment, ce défi, tu peux le first try sans toucher la manette si t'avais upgrade la confusion. Ah, mais je l'ai pas upgrade. C'est vrai. En fait, tu demandes à chacun de se battre l'un contre l'autre et c'est fini. T'es sûr que niveau 1, ça sert à rien? Ceux qui tirent dessus, peut-être c'est R1, c'est ça, hein? Peut-être que je peux leur dire de tirer sur les autres. Attends, on va voir. Déjà lui là. Ah non, comment je fais? C'est R1? Mais attends, je vais... Mais laissez-moi... Ah mais je veux juste... S'il vous plaît. Non mais calmez-vous. Et tu peux même pas les confus. Tu peux pas les rendre confus. Et t'es là... Comment tu veux faire? Ah, les droïdes peuvent pas être confus. Ah. Elle te sert à rien, les unités humanoïdes sont niveau 3. Bon! Bah, génial. Qu'est-ce que je fais de ma vie, là, sérieux? Il te faut 6 points pour le Greg. Oui, non, mais je sais que c'est mort, t'inquiète. Là. Oh, ça, c'est bien, ça. Vas-y, attaquez-moi à terre aussi, bande de... Attends, on va essayer de les utiliser. Non, ça marchera pas. Ça marchera pas. J'essaie de les utiliser, mais... Ils me tirent tellement toujours dessus et les autres sont toujours là. C'est insignifiant en fait. Ouais. Ça me fait chier, mais je vais devoir continuer, hein, je crois. Hein. Something's still wrong. Ça me fait bien chier. Parce que là, il y a vraiment pas moyen, en fait, là. C'est trop dur.
focus, Cal. You're afraid! You are inefficient. Let's try this! Not fire! Roger, Roger! He's on the defensive. Take what you want. Weapon! No luck, BD. Gotta stay calm. Je faisais qu'un, ouais. Finish this.
Help me, BD. I'm grabbing his stone roof. He's trying to get loose. I'm good. J'étais à ça tout à l'heure. I think it's still troubled. Gotta stay calm. Comment j'ai fait, putain? J'ai été habité par la force, elle m'a lâché juste à la fin. Get over here, you. Hey, we've got a visitor. Fire is powerful. I see you better. Show me who's back here. Stop it. I love you, Jack. My hip. My hip. We can pin him. Stop. Here! We got a run! The droid has a stim canister! Who's that? There they go! Whoa. You can fight at least. I'll give you that. Show me your skill. It's over. Making me earn it. I want more. Move in on him. Come on. Log it. I'm gonna strip you to parts. Beanie, stay here. You're done for! Attack! Attack! It'll be over soon! Run! I want to survive! Strike through! This is quite... La légende raconte qu'on y est encore en 2025. La meilleure des maîtres, c'est l'échec. That didn't work. Je suis entêté, je suis désolé. You're brave to cross us. Got it. Combat is justice. No! Okay. You're sold. Get a shot at him. Firing and running. There is a weapon. It's not the boss. Not over here. Better run. That's what you think. I'm gonna get through. Finish him off! We will be heroes! Ow! Stop! Persist! Take him the shot! What's this? Running like a bull pack! Tag in! Just more pain for you! Mais bordel, il fout quoi, Cal? I don't think that did it.
Ouais, renvoyer, mais ouais, c'est vrai. Ah putain, pourquoi j'y ai pas pensé à ça? Putain, sur le coup, tu viens de me donner l'astuce du siècle là. Bah ouais, c'est pas mal comme ça. Mais j'ai appuyé sur L2, c'est pas vrai. Ouais, bon après, est-ce que ça change grand chose? Parce que je vais les tuer de toute façon. Dans tous les cas. Ça les affaiblit un peu quoi, c'est pas mal, c'est une bonne astuce ouais. Et ta mère en slip, putain. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai lu tout ce que tu viens de dire. Mais limite, tu sais quoi? Si je gagne avec cette méthode, qui me semble être la méthode en fait qu'il faut, ils ont mis les mobs exprès pour ça. Bah en fait, je suis juste déçu quoi. Enfin, pas déçu, mais c'est juste déçu déjà de moi de pas y avoir pensé, parce que c'est logique. Et déçu parce qu'en fait, bah je vais y arriver, mais plutôt facilement en fait, alors que je galère depuis une heure dessus quoi. Donc, ouais, c'est juste dommage. J'aurais dû trouver par moi-même en fait. Par contre, je peux pas rediriger, hein. Ah si, il faut que je change de... Ok, j'ai compris. Ok, je crois que je me suis flingué tout seul, ça c'est génial. Non, non, mais ok, je l'ai tué. C'est très bien. Aïe, 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 aïe. Bonne nuit tout le monde, est passé. Attends, j'ai pas eu le temps de voir. Un bon réveillon. Salut Ced, bon réveillon à toi aussi. Salut, salut. The echo's still here. I don't think that did it.
Ouais, il y a toujours une faille, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est pas la bonne idée. Bah, de toute façon, je sais qu'on peut revenir en arrière sur les compétences et tout ça, mais... C'est pas grave, maintenant que j'ai fait ça, je vais pas revenir. Merde, pourquoi je lui renvoie? Bon bah je suis trop habitué à lui renvoyer. Mais laisse-moi faire mon attaque, merde. C'est pas possible. Y'a rien qui va, y'a rien qui va. Il y a aucune logique. Tu veux en attaquer un, il en attaque un autre. T'esquives, tu te prends le coup quand même. There's still something missing. I can do this. On a quitté Kobo, mais à quel prix? Ah oui, 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 mon cher Mando, ouais. Non, mais c'est surtout... Alors... C'est moi qui me suis mis dans cette merdasse. Tout seul, je m'y suis mis. Comme un grand. C'est un Souls-like, donc ouais, il n'y a pas de cadeau. Ouais. Sinon, il y a une tactique très respectable qui s'appelle baisser la difficulté. Nanana. I don't think that worked. Disney sur Dark Souls, ce serait le plus long let's play d'internet. Je dis ça, j'ai même pas dépassé le Pascal. Tu sais que le remake PS4, c'est Demon's Souls, je crois. Mon cousin m'a mis au défi de le faire. Je dois le faire en live en 2024. Donc je vais le faire. Gotta stay calm. C'est pas des idées, en plus tu le sais, Scan, déjà. Je te l'avais dit. Et oui. Kishni va faire Demon's Soul. Oui, oui. Truc qui est pas du tout mon truc à la base, hein, mais...
I'm hit. I have sustained damage. In my sight, you will be alive. Brace for impact. Don't back down. You are weak. You will not escape me. This trick will take you. Impressive defense. J'ai changé de perso. Tire pile quand je relâche le L1. Putain. Mais oui, mais vas-y, mais oh là là. Mais non, c'est pas ça que je voulais faire. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'était quoi ce gangbang là, putain? Oui, Alan Wake 2, Spider-Man 2, oui. I don't think that worked. Kishni sur du Souls, this is where the fun begins. Ah oui, c'est le jeu que je vais pas faire avant 2026. Violence, t'as vu? Courage, merci la CIA. Merci. Ça va peut-être me faire du bien et m'aider à y arriver là. Désespoir à un visage, ouais. I can do this. Ouais, Cal, I can do this. Je suis buté, je vous jure. C'est, on n'arrête pas le live. C'est, je... Move up, move in. Move in. This ain't worth dying over. You must die. You think you can outrun us? Stop! Damage taken. You will not be. You caught me. Deploy blast room. Initiating. Fucking. Celle-là, c'est la bonne. Put them down. Releasing a missile. Let's get after him. Vraiment con, moi, des fois. Just fire. Launch a crush. Ok, bon. Almost. Wouhouhou, le gangbang. What the fuck? I'm fine.
Vous avez dit que c'était la bonne celle-là. Je vous jure. That did the trick. GG, merci, merci. Mais c'est ce qu'on appelle réussir avec la technique du kikimu. Voilà. Kikimu schnifu. Kikifu. Et voilà, voilà, voilà. C'est Piggy 18 ce stream. Ouais. Il. Du premier coup, ouais. On n'est pas sur un live de Wellstone ce soir. Oh, arrête. Oh non. Merci, Parisien. Du coup, j'ai une question. Ça m'a fait quoi? Le truc, il est jaune au lieu d'être violet. Et alors? En plus d'avoir enlevé la couleur préférée de Scan, je n'ai rien obtenu. Tout ça pour un pauvre point de compétence. Ah d'accord. J'ai gagné un point. Waouh. 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 Oh, trop bien. Putain. Oh là là. Oh la gueule de la récompense. Oh, mon Dieu. Oh putain. Ne pas s'énerver. Ne pas s'énerver. Tout va bien. Ouh là là. Bon. Et ça va, c'est pas une coupe. Mulet, tu veux dire? Ah oui, tu veux dire oui, c'est pas une coupe. Attends, mais je suis revenu là. Mais je dois aller où? Oui, bon, je dois pas aller du tout là, quoi. Oh, putain. Oh. Dis-toi qu'il y a un boss fight 15 fois plus compliqué qui rapporte rien, mais sérieux. Oh. Bon. Je veux au moins sortir de ce pétrin. Je veux pas recommencer le prochain live en me disant je suis où, je fais quoi. Qu'est-ce que c'est pas ça? Moi, ce que je vois... Ok, j'ai vu. Non, mais c'est pas possible. Non. Je pensais que tu pouvais grimper sur ce truc blanc, là. Mais non. Parce que là, je vois une espèce de... truc, là. Zone inconnue. Mais... je peux pas aller là. Non, non, mais je vais pas continuer, continuer. Je veux juste arriver, je veux juste me débloquer. Là, je suis bloqué, je sais pas où aller. Je veux juste dire, ah, ok, c'est là. Et là, j'arrêterai. Tu vois pas spoil, mais ouais, c'est du gros troll. Ouais, bah, j'imagine, surtout s'ils font ça. Mais là, attends, on est d'accord, je peux pas grimper sur le machin, là. Merde, merde, merde. Est-ce qu'il y avait un autre endroit où je pouvais passer? Je vais me faire bouffer. Voilà. Bouffer! Attends, on est d'accord, il n'y a aucun endroit là où je peux aller d'autre, hein? Parce que même si je retourne là, admettons. Non, là, il n'y a rien d'autre. Ok. Attends. Mais si, en fait! Mais si, en fait! Mais on m'a menti. Si, en fait! Par contre, ça, je sais pas comment on le passe, le machin.
plaques. Je suis pas sur du sable, là. Au moins, on aura quitté Kobo avant 2024. Oui, 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 c'est ça. C'est pas trop mal. Attends. Attendez. Ah, oui. Attends, tu vas me dire que c'était juste un raccourci. Ah non. Oh non, mais putain, mais non. J'ai pas les couilles de ça. Oh là là. Mais non. Le gars, il est tout content. Il a trouvé le chemin. Il dit oui, non. On va te donner un... Attends, je suis con en fait. Attendez. Est-ce qu'on peut pas griller le jeu? Ah non. Non, là, si je tombe, je meurs. Là. Ouais. Oh, purée! Une pièce de droïde. Oui, t'es con. Bon, bah, est-ce qu'on a vraiment le choix, en fait? Que de run, en fait. On va faire Tayo? Ta-ta-yo-yo! Putain, ça marche! Tata Yo-Yo est avec nous. C'est pas la force, c'est Tata Yo-Yo. Tata Yo-Yo! Voilà! Salut les troopers, comment ça va? Non mais lance-flamme! Non mais c'est pas du jeu! Ouais, you and me. Moi tout seul, ouais. Stand here, baby. Non. Allez! Allez, un bout de sabre laser. Un capteur audio. Encore pire que ce que je pensais, dis donc. Bon, prochain spot de sauvegarde, on arrête. J'espère qu'il est pas dans 3 heures. Attends, mais pourquoi je reviens là? Non mais s'il vous plaît les mecs là. Oh, oh, oh. Non, mais il y a forcément quelque chose. C'est à gauche. Bah. Tout droit. Et à quoi tout droit? C'est quoi ce machin là, tout droit là? C'est une safe place. Là, il y a un truc pour un raccourci plus tard. Très bien. On peut pas monter dessus de toute façon, bien sûr que non. C'est un cochon. Prends garde. Spider cochon est là. On va aller là, on va voir ce que c'est. C'est absolument rien. Ah, tu veux scanner, Bidi? Ah oui, oh. Scan. Looks like a prayer wheel. Un live riche en sueur et en rire. Ah, mais complètement Mando, là. Putain, fallait pas le louper, celui-là. Hein. Il était intense, hein, n'empêche. Il y a 15 spots de sauvegarde sur Jedha. Non, je deck. Il est pas trop loin. Ah, c'est bien. Un outil utilisé par les pèlerins pour professer leur foi en faisant tourner la roue tout en répétant une invocation faisant appel à la force. C'est vrai que je serais passé par le rire et par la frustration et tout ce que vous voulez en fait. Mais c'est où qu'il faut. Attends, mais... Mais non, mais c'est ça, en face. C'est de là d'où je viens, en face. Attends, tu vas me dire qu'il y a un chemin, là? Va voir... Bien sûr que non. C'est un cochon. Prends garde. J'ai bugué le jeu. Ok. Je suis dans mon camp. Je suis dans le camp, tu peux pas m'attraper, je suis dans le camp. Mais sérieux?
voie ouverte. Pas sûr, mon gars. Pas l'air très ouvert. Coucou la bête. Jedi Survivor, mais pas trop non plus. Oui. Quoi, ils me font... Le jeu est buggé. Enfin, je veux dire, voilà quoi, je suis mort, je peux plus rien faire, parce que bah, je vais... Ok, c'est bon. Oh putain. Attends. Non, je suis dans mon camp. Je suis à côté de la porte, là. Hein. Oh non, je suis très très loin de la porte. Ils me disent voie ouverte. Ok, voie ouverte. Je te jure que c'était pas ouvert. Ah bah oui! Oui! On vient peut-être de signer la fin du live. Dès le moment où j'ai un point de sauvegarde. Yeah, pas encore là. Eh, hey, vous voulez un baptême de l'air? Wouhou! C'est mon ami! Regarde, je vais l'apprivoiser. Apprivoise-toi. Bon d'accord, tu veux pas t'apprivoiser. Ok, j'ai compris. Non, calme, calmos. I need help. Looks like a scroll. Can't imagine how long it's been. Fin du live. Ah non, il y a un boss fight juste avant. Non, non, non. Oh, la mort épique. Ouais, t'as vu ça un peu? C'était sympa. Hein. C'était sympique. Sympa et épique. On invente des mots en plus dans ce live. Donc là. Mais tu te foutrais pas un peu de ma gueule, toi? Tu un combat de 3 encore. Ouais. Oh waouh. Gunships heading towards the rendezvous. Gonna beat us to Seer's escort. Oh là là. Non. Toi tu mens à pote. Pas aujourd'hui. Ça ressemble à ça la bébête? Ça ressemble à ça, la bébé. D'accord. Dès que vous... Oh, attends. C'est pas une... C'est pas... Un de la même race que... Le gars de Mace Windu, là, qui meurt... en 2 secondes, quoi. Un Autolan. Ah ouais, d'accord. Et s'il n'est pas automatique, il s'appelle comment? Il s'appelle toujours Noto... Non, ça c'était pourri. Kit Fisto, oui, Kit Fisto. Attends, est-ce que vous croyez que je peux réussir à faire bugger le jeu? Ouais, non, ils ne veulent pas. Nul, 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 la vanne. Non, non, mais moi j'aime bien les bagues nulles. Je veux dire, moi ça me dérange pas. Ah, c'est ses mains. Ah merde, non! Donc là, attends. Ok. Je suis venu là, je suis venu là. Là, je peux pas monter. Là, il y a un doigt. Je peux monter. Bah, je pensais que je pouvais monter sur le doigt, ça paraissait logique. Ah, à part si... Là, je peux m'accrocher à ça, là? Non, je peux pas. Y a pas le grappin, non, je peux pas grappiner un peu là, non. Je suis dans mon camp. Pas me faire yèche.
Bah, Jeddah, hein, pour le moment, c'est pas ma planète préférée, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Tu peux même pas mettre un pied par terre. Non mais... Attends. Quoi ? Voilà ! This guy does not give up. Gotta respect that. Ah bah on va lui mettre sa tollée au bout d'un moment, lui, il arrête de nous faire chier. Je crois que c'était pas du tout comme ça qu'il fallait monter, mais on va dire que... Ah, bah si, c'était peut-être ça. Tu vas me dire que là, je vais pouvoir atteindre l'autre bout, là-bas. C'est ce que t'es en train de me dire. C'est ce qu'ils étaient en train de me dire. Oh non, pas vous, oh non. Bon, j'en ai marre. Allez, go. J'en ai marre. Non mais... Ben voilà. Et d'ailleurs, le visage de la statue Nautolan vient d'un autre jeu, Swotor. Ah, je suis pas sûr, mais je crois que Ska n'a pas apprécié la boutade. Non, mais ça, c'est comme ça. Bon, petite anecdote, en vrai, la première zone lui fait pas justice. Jean... What the... Oh, qu'est-ce que tu fous, toi ? Jean et Andor ont échappé au Floris Lava, c'est chanceux, oui. Zigouille la prochaine personne qui fait une vague pourrie. Une vanne pourrie. Ouais, bah écoute, tu me zigouilleras alors. Prépare-toi-y. Ah, tu veux scanner, Bidi ? Vas-y, scanne. Espace commun. Cet espace commun était ouvert à tous ceux qui souhaitaient se rassembler et proclamer leur foi, quelle que soit leur dénomination ou leur vocation. Oui, Kishnil, prochain... poste de sauvegarde, il est tout prêt, t'en fais pas. C'est juste l'heure de manger, j'ai faim. Ah, ça, on a dépassé les 3 heures de live. Aucune pitié pour moi. Non, mais je comprends, enfin. Ah ouais, ils sont comme ça, eux. Ah ouais, non, mais là, non. Non, mais non. Là, j'en viens, donc chute. Ok, d'accord, j'ai compris, c'est bon, calmez-vous les mecs. Vous êtes où ? Maybe someone at Sears Base would know what to make of this. Ouais, non, l'établi. Bon. Moi, je cherche un truc de sauvegarde, moi. Voilà. Salut les mecs. Adieu. Et il est minuit ici, sérieux? Ah bah oui. Minuit 24, c'est ça, non? C'est bien ça. Il est tout près, je te jure. Plus que 3 heures avant le prochain checkpoint. Non mais arrêtez là-haut. Moi j'ai envie de pisser, j'ai faim. S'il vous plaît là. Ah, salut les gars. Je fais que passer. Gotta find the escort before the Empire does. Bon, est-ce qu'on en parle que le jeu est bien? Le jeu est bien quand même. Ah, regardez qui c'est qu'on voit là. Ceci signe la fin du live. Le mec jamais aussi heureux de finir un live. Oh putain. Allez. Salle des pénitents. Bah voilà, on va rester pénitencier pendant un petit moment. Oh, ça va, peut-être qu'on se rejouera là dans la semaine prochaine. Comme j'ai dit, Scan, peut-être qu'il y aura au moins 2 lives la semaine prochaine sur Jedi Survivor, voire plus si jamais je... Voilà, si jamais... Le jeu est beau, oui. Bonne nuit à toutes et à tous, bonne fête évidemment, oui. Profitez bien.
Profitez bien des fêtes, détendez-vous, déstressez, prenez des bonnes résolutions, pensez à vous, donnez aux autres si vous pouvez, faites plaisir, faites-vous plaisir. Et je crois que j'ai rien d'autre à ajouter. Juste kiffer le moment. Profitez de vos proches si vous les voyez. Vous savez, moi qui vis au Canada, loin de mes proches, je peux vous dire que ça manque. Et si vous les avez proches de vous, chérissez-les. Vraiment. Ouais, bonne fête chez les caribous. Bah, merci. Et puis, bah, ouais, on s'arrête là. Donc, bah, pour tous ceux qui sont encore là, bah, écoutez, je vous dis que c'était un live de fou. Voilà, déjà. Et puis, voilà. Bah, on vous donne rendez-vous la prochaine fois, je sais pas quand. Voilà, on va voir. Bonne nuit, salut Lassia, bonne fête, merci Parisien, salut à toi, salut Scan, salut Mando, salut Ced le G qui doit être là encore en scred. Et puis, est-ce que j'oublie quelqu'un? Bucky, il était parti. Je pense que je dois oublier personne, désolé si j'oublie quelqu'un, mais je pense pas. Toutes les autres personnes étaient parties. Bah non, Ced, il était parti aussi. Oui, il était parti se coucher. Donc il peut pas être là. Il me semblait qu'il y avait deux personnes qui étaient parties se coucher. Ouais. Ok. Bon allez, salut tout le monde. À la prochaine et merci d'avoir suivi ce live. C'était intense, mais extrêmement cool. Et on a bien rigolé. Merci beaucoup, salut. Ciao, ciao.